Et ben salut tout le monde, c'est SGamer54, on se retrouve pour la suite de ce Let's Play sur Ratchet & Clank Rift Apart. Nous sommes le dimanche 2 ou 3, le 3 novembre, voilà, pour être plus précis, excusez-moi. Du coup, on se retrouve pour la suite de ce jeu. Comme je vous ai dit, j'ai essayé de faire quand même un live tous les jours maintenant, pour qu'on essaye de faire un maximum de jeux. Parce que dites-vous que les jeux qui sont en cours actuels, en comptant vidéo et tout, j'en ai quand même pas mal. Du coup là pour le moment, ah oui, avant de continuer l'aventure, alors j'essaierai de vous la mettre rapidement cet épisode-là, parce que c'est le mode univers, mais je ferai sûrement une autre vidéo dessus, je pense. Parce qu'en gros, le mode univers, ça va être, vous savez, le truc de cache et tout. Ça sera en pause, pour une mini-pause, parce que en gros, j'attends voir mon deuxième écran. En gros, j'attends recevoir mon nouveau écran. Parce que comme vous avez vu, ou peut-être vous êtes peut-être pas au courant, depuis le Donaton, quand je suis revenu du Donaton, en gros mon écran il s'est pété pendant le voyage. Du coup, il y a plein de rayures noires un peu partout, et surtout que en fait ça fait un arc-en-ciel, en gros, t'as plusieurs couleurs qui s'effanchent sur le côté, du coup c'est un peu gênant. Bah c'est même très gênant parce qu'en gros tu peux plus rien faire, tu peux même pour faire des vidéos sur l'écran là, bah c'est un peu compliqué, on va dire. Du coup, j'ai préféré d'acheter un nouveau écran PC, le même. J'ai trouvé le même, mais un peu moins cher que d'habitude. Du coup, je vais recevoir d'ici 2 semaines, 2, 3 semaines. Du coup, pendant 2, 3 semaines, bah, vous aurez que des lives PS5 ou Xbox. Mais par contre, vidéo, tournage de vidéo ou les jeux sur PC, bah c'est un peu mort pour le moment, quoi. Du coup voilà, je préférais vous prévenir déjà. C'est du coup le mode univers. Vous avez un épisode aujourd'hui à 21h, et puis après ça sera une petite pause pendant 2, 3 semaines, le mode univers. Mais vous inquiétez pas, quand on reprendra là où on devait être à partir de. En fait, par exemple, on reprend dans 2 semaines. Et eh ben ça sera 2 semaines après le pay-per-view qu'on reprendra le mode univers. Et voilà, je préfère vous prévenir, mais je ferai une vidéo pour prévenir tout ça. Bref, c'est parti, après avoir dit tout petit blabla tranquillou. Et puis aujourd'hui à 13h sur YouTube, vous avez la première diffusion du Donaton. J'ai pas fait de montage, j'ai laissé tout comme ça, comme c'était. Et du coup, à partir de 13h, vous avez le premier épisode sur YouTube. Voilà. Et c'est tout. Je pense que j'ai tout dit pour aujourd'hui. J'ai tout dit de ce que je voulais vous dire au tout début. Du coup, on va se concentrer sur le jeu Ratchet & Clank, Rift Apart, deuxième épisode, deuxième live. Et c'est parti. On va essayer de bien avancer aujourd'hui aussi. On va essayer de bien avancer aujourd'hui. Alors là, on est qu'à 23% du jeu pour le moment, parce que voilà, on est encore au début. Mon objectif, ça serait pas mal si on atteint. Ouais, peut-être 30 ou 35% du jeu, ce serait parfait. Après, si on n'atteint pas, c'est pas grave, mais mon petit objectif, ça serait ça. Et puis voilà, ça va être cool. En tout cas, j'espère que vous entendez bien le son du jeu, le son de ma voix. N'hésitez pas à me faire savoir, les amis. Et ça sera avec plaisir. Est-ce que j'ai des choses. Oh, j'ai des choses à améliorer là-dedans. Là, je sais pas quelle. Hein. On va commencer par celui-là. Voilà, parfait. Celui-là. Voilà, que ça au moins. Parfait. Je sais pas si c'est par là.
T'as un peu un labyrinthe hein, dans ce jeu Ratchet & Clank et tout. C'est là, le but c'est réparer le petit robot. Enfin, c'est pour réparer Clank en fait, tout simplement. Simplement que l'empereur n'est pas au courant. Oh, petit trophée, c'est quoi ça? Trouver un ours en peluche. Ok. Oh, cool. Zurki est derrière le bar. Il saura où est le pirate qui détient l'amplificateur. Namasté, que la paix t'accompagne, Rivette. Dis, Zurki, t'aurais pas vu notre capitaine en second préféré dans le coin? Il a mon amplificateur de... Tiens, tiens, si ce n'est pas ma petite chérie. Donne-moi l'ampli. Tu m'as suivi jusqu'ici? C'est encore un effort désespéré pour gagner mon affection. Donne-moi l'ampli, Pierre. Combien de fois dois-je te répéter que mon cœur est déjà pris? Franchement. Pete, le rouillé? Le rouillé? Ah, morbleu, ton ami a la langue bien pendue. Mon nom est Pierre le Fer, pirate extraordinaire. Après, les amis, je pense que si vous voulez, je pourrais vous faire deux lives aujourd'hui. On fait un peu le matin, et puis dans l'après-midi, je pense que j'en ferai un deuxième. Je pense. Je préfère l'amour à la guerre. Peut-être pas sur le même jeu, hein, mais on verra bien. À lui reboter le derrière? Ce genre de question me laisse perplexe. Mais pourquoi pas? Où sommes-nous censés nous inscrire? Inscris-toi à l'arène. T'inquiète, je vais te montrer. Bah du coup ça. Après les gars, je vous cache pas que j'ai trop envie de jouer à Assassin's Creed hein, en ce moment. En plus, je les ai tous téléchargés. Voilà, voilà. Mais je pense après, comme je vous ai dit la dernière fois, je crois que c'était hier, je vous avais dit ça, que à la fin d'un let's play, soit Rise, soit Astro Bot ou Ratchet & Clank, on fera la licence des assassins. En plus, on commencera par les meilleurs avant. On commencera par le 2. Parce que le 1, évidemment, c'est buggé hein, sur PC, malheureusement. Du coup, voilà, voilà. Bon, après ça prendra le temps qu'il faudra hein, pour Assassin. Putain, ça a duré longtemps le tournoi là ou... Hush.
Il y a combien de vagues? Mais il y a combien de vagues? Mais ça dure quand même un petit peu longtemps le petit tournoi là. Après je sais pas si c'est faisable faire le... Si c'est long ou pas pour faire le 100%. C'est long, si c'est chiant, si c'est pas chiant, je sais pas. Pourquoi vous me dites ça, les amis, si vous savez le... Si c'est chiant, si c'est trop long pour faire le 100% ou si c'est simple. Évidemment, pour ceux qui connaissent, hein. Bien sûr. Oh, victoire, enfin. Petit trophée. Oui, sa doublure, ça. Ça c'est lui François. Il est quasiment mort. Et voilà. Et voilà, je suis la meilleure. Ratchet, est-ce que tu m'entends? Ratchet, est-ce que tu m'entends? Clank, est-ce que ça va? Où es-tu? J'ai vu la Lombax t'attraper. Je vais bien. En fait, je suis avec la Lombax. Salut, je suis Rivette. Quoi? Salut. Waouh, ça c'est... Bon, attendez, ok, j'ai quelque chose à vous dire. Le docteur Nefarious s'est proclamé empereur de cette dimension. Il sait quoi? Non, 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 non. J'ai déjà assez à faire avec mon propre Nefarious. Eh ben, justement, on doit le renvoyer chez nous, et nous avec, mais... Sans le dimensionnateur... Je crois que nous devons en fabriquer un autre.
J'ai rencontré un prophète de Savali appelé Gary. Il saura sûrement comment faire. C'est juste à quelques secteurs d'où je suis. Je peux aller jeter un œil. Et nous, on fait quoi? Y a-t-il une planète appelée Blizzard 1 dans cette dimension? Oui. Pourquoi? Nous y trouverons du quartz phasique pour alimenter le dimensionnateur. Si j'ai raison, nous disposerons alors d'un nouvel appareil en un rien de temps. Alors on ferait bien de s'y mettre tout de suite. Content que tu ailles bien, mon pote. Toi aussi, Ratchet. Sois prudent. Surtout. Wow. Un autre Lombax. Allez, mettons-nous au travail. Ok. On s'en est bien sortis. Mais je suis sûr qu'on pourrait gagner la coupe de bronze avant d'aller sur Blizzard 1. Avec la récompense, on pourrait s'équiper. Ouais, bon, pas grave. Ça, au pire, je ferai ça de mon côté si j'ai envie de le faire. Je te trouve bien silencieux. Hop. Là derrière. Qu'est-ce qui se passe? J'ai peut-être un peu sous-évalué la difficulté de fabriquer un dimensionnateur. Un petit peu. Ouais, enfin, on savait tous que ce serait pas une mince affaire. Alors, est-ce que je peux. Non. Par contre, on peut améliorer encore les armes. Hop. Ah le quartz non bon bah tant pis. Je te trouve bien silencieux là derrière. Qu'est-ce qui se passe? Au moins on peut faire un clip. De fabriquer un dimensionnateur. Mon dieu. Ouais, enfin, on savait tous que ce serait pas une mince affaire. Certes, mais le quartz basique est un des matériaux. Du coup, ça a été validé ou pas? Je vois. Ah oui, c'est validé. Parfait. Salut, Rivette. Bon, bah, si on y va. Si tu reçois hein. Ce message et que tu as un peu de temps, sache que Trudy aurait besoin d'un coup de main sur Sargasso. Trudy? C'est une amie. Ça n'a sûrement rien à voir avec notre problème, mais Mork n'appellerait pas à l'aide si c'était pas important. Alors... Bonjour, Dimension. Je sais que j'ai été absent pendant... vous savez combien de temps. Alors il faut qu'on rattrape le temps perdu. Vous devez vous demander ce que je faisais. Oh, j'ai parlé avec mes fans si dévoués. Admirez mon superbe décor. Et découvert qu'il y avait deux Lombax insolents en cavale. Qui cherchait à tout dévaster. Donc, j'offre une prime de 3 flubillions de fonds de liberté Nefarius à quiconque me ramènera ces devoriens à fourrure, morts ou vifs, mais vifs de préférence, que je puisse d'abord m'amuser un peu avec. Mon formidable réseau d'espions affirme qu'ils seront très bientôt sur Blizzard et sa vallée. Alors au travail maintenant. Et si ces deux Lombax m'écoutent, sachez que je compte bien vous réduire en cendres, et qu'ensuite, je jetterai vos cendres sur un soleil, et qu'ensuite, je jetterai ce soleil dans... Super. L'autre Nefarius m'a ajouté à sa liste. Et il sait quelle est notre destination. Oh, non. Alors... J'espère que Ratchet trouvera bientôt le prophète. Ok, c'est celui-là et celui-là. Ok. Bon, on va faire Ratchet. Ratchet n'a pas d'ennui. Comment fabriquer un dimensionnateur? Où est-ce que je serais allé en premier? Ok.
Tu veux des armes ou des munitions? Les deux, je parie. Ok. Bonjour, monsieur. J'ai une question bizarre. Vous ne sauriez pas comment fabriquer un dimensionnateur par hasard? Pratchett? Pratchett! Gary, ta réputation te précède. Tu dois te rendre aux archives interdimensionnelles. Mon apprenti t'aidera, mais... La ville est attaquée. Comment tu l'as su? Je vais y jeter un œil. Je crois me souvenir comment faire pour arrêter une invasion. Ok. Je suppose que les types à la solde de Nefarius sont à la recherche d'un Lombax. Après, j'espère que le son est assez fort pour vous. Un robot sniper volant ? Ok. Non, allez, go. Et là, boum! L'empereur exige que tu implores son pardon! Oh purée! Non. Ah, il faut que je tue tout le monde, quoi. Alors... Oh, c'est lui qui est là-bas qui me tire dessus, putain. Ah, voilà. Parfait. Anomalie dimensionnelle détectée. Non. Oh. Hey. C'est affreusement gênant. Rien de cassé. L'atterrissage a vraiment été brutal. Qui es-tu? Désolé, je... Tu me rappelles quelqu'un. Moi, c'est Ratchett. Je suis venu trouver quelqu'un qui serait l'apprenti de Gary. Il faut que je construise un dimensionnateur. Oh, je vois. Eh bien, je ne pourrais pas faire grand-chose vu que mes archives ont pris la fuite. Comment vais-je y retourner? Oh, c'est toi l'apprenti. Et si...
Et si on faisait équipe, tous les deux, hein? Je ne suis pas une bonne partenaire. Oh. J'ai une idée. Si les choses tournent mal, ce qui n'arrivera pas, on se séparera sans poser de questions. Partenaire? Oh. D'accord. Partenaire. Pour l'instant. Pour accéder aux archives, nous devons d'abord libérer les moines des forces de Nefarious. Prends ces hoverbots. Elles nous permettront de traverser plus vite le plateau. Nous aurons besoin de l'aide des moines, les acolytes de Gary, pour atteindre les archives. Ils doivent être dans leur temple. Oh, absolument. Au fait, comment tu t'appelles? Oh. Je suis KT7461. Je suis ravi de te connaître. Il y a trois temples près d'ici. Le temple de la montagne, le temple de la forêt primaire et le temple des Badlands. Leurs noms sont plutôt explicites. Ok. Ok. Hey, est-ce que ça va? Oui, désolé. Je n'avais pas assisté à un combat d'aussi près depuis longtemps. Oh. Ratchet, tu as trouvé mon apprenti. Je vous félicite tous les deux. Vous êtes prêts à pénétrer dans le temple de la montagne. Super. Allons faire. Vous êtes prêts émotionnellement parlant. Vous devrez malgré tout déjouer le redoutable système de défense du temple qu'on surnomme affectueusement le parcours des défis de la mort. Je déteste ce de la mort. Vous allez vous en sortir, j'en suis certain. Bonne chance. Vas-y, suis le chemin le plus vite possible. Ratchet, vite, nous n'avons plus beaucoup de temps. Oh, nous avons réussi. Le portail suivant est droit devant. Voilà. Allez, vas-y. La piste va bientôt s'effondrer. Oh, petit trophée, c'est quoi? Ok. Attention! C'est bon, on peut continuer. Bonne idée. Je vais y arriver. D'un système de défense pour le temple. Ces concepteurs devaient tenir à leur tranquillité. C'est clair. Allez. Non. Perdu. Je recommence où? Ah, ça va, je recommence là. Dommage, j'aurais pu le faire du premier coup, mais pas grave.
Nous avons triomphé des épreuves. Waouh. Je ne m'en serais pas sorti sans toi. Maintenant, on va essayer d'aider les moines. Cet horrible brouillard est au... Profite du brouillard pour ne pas te faire repérer. Oh, je l'ai perdu. Allez, meurs. Et voilà, on l'a réussi. S'il te plaît, conduis-moi au terminal, que je libère les autres. Oh non, un virus Zeta. Si je me connecte au terminal, je risque d'être contaminé par le virus. Mon ami Glitch peut y jeter un coup d'œil. Juste une seconde. Ah, purée. Ça a marché. J'ai dévié l'énergie loin de cet affreux virus stupide. Fini la protection qui se multiplie trop vite. Il faut que je prenne de la hauteur. Bah ouais, mes boucliers là, il est où? Oh putain, il est juste là-haut. Ok. Il reste deux. À la vista. Ciao, Lenny. Et ben voilà. De vous voir sain et sauf. C'est vraiment merveilleux de te revoir, Sœur KT-7461. Les soldats de Nefarius ont-ils déjà trouvé les autres temples? Je l'ignore. Mais on préviendra Frère Gary que vous nous avez sauvés. Je vous souhaite bonne chance. À tous les deux. Ok. Plus que deux. Je sais que les moines essaient d'être forts. Mais ils n'ont pas conscience de la cruauté de l'Empereur. Tout ira bien. On est là. On dirait que ce câble conduit directement au Badland. Dis, KT-7461, est-ce que tu as un surnom? Les moines m'appellent Sœur. C'est plus un titre qu'un surnom, ça. Voyons un peu. Que penses-tu de Katie? J'ai trouvé. Soleil. Je parle du surnom, parce que j'ai
Bon, on va aller là-bas et après on y va là-bas. On finira par trouver. Est-ce que tu veux bien que je te pose une question en tant que Lombax? Bien sûr, pas de soucis. Mais je te préviens, je ne suis pas vraiment expert en la matière. En fait, je suis le dernier Lombax de ma dimension. Je t'ai dit que je venais d'une autre. Je sais d'où tu viens. Le temple de la forêt primaire. Oh, je ne respecte rien ni personne. On va lui apprendre le respect. Waouh. Ok. Alors. C'est pour moi un immense honneur de vous appeler. Oh, c'est un boss. C'est quel le boss, c'est lui? Ah, c'est bien parce que chaque lieu en fait c'est pas la même chose quoi. Ça c'est bien. C'était toujours la même chose, monter tout en haut et puis ouais, ça aurait été pas marrant quoi. Ça aurait été nul. Et voilà. Ratchet, je dois utiliser ce terminal pour libérer mes frères. Ne vous inquiétez pas. Je vais vous faire sortir de là. Les moines sont prisonniers d'un autre champ. Ce système est très vieux et complexe. Je vais avoir besoin de temps pour désactiver le champ énergétique. Oh, faut défendre. Oh. Prends tout ton temps. Je m'occupe de ces types. Je me dépêche. Les soldats arrivent par l'entrée principale. Oh, la moitié. Ah, t'as la moitié. Concentre-toi sur les soldats de Nécarus. J'y suis prête. Oh purée. Très douloureux.
Allez. C'est qui lui tire dessus? Ah, c'est lui. Ok. J'ai terminé. Le champ énergétique est désactivé. Vous nous avez sauvés. Un grand merci à lui. Il ne reste plus qu'un temple. Plus qu'un temple. C'est le dernier. On va les trouver. Ok. Je te le promets. Je te l'ai dit. Tu ne devrais pas essayer de me trouver un surnom. Ou d'être mon... mon ami. Je te trouve beaucoup trop sévère envers toi-même. Tu n'en sais rien. Tu me connais à peine. Je sais que Gary te fait confiance. Et que les moines t'apprécient. Tu devrais peut-être donner une chance à l'amitié. Je vais y réfléchir. Allez, encore un. J'espère que c'est pas le plus chiant que j'ai gardé à la fin. Oh si, ça a l'air le plus chiant. Oh, à mon avis, ça a été encore un délire qui va défendre. D'autres soldats de l'empereur. Les moines sont en sécurité derrière le champ énergétique. Allez, meurs. Kill. Yeah.
impériale ont été éliminées. Merci, Ratchet. Toujours prêt à aider et à botter les fesses des soldats de Nefarious. Ratchet. Ouais, mais après, à mon avis, ça va être... Ah non, bah c'est bon. Bah en fait, ça a été plus simple que je gardais à la fin. Je suis soulagée de vous voir en bonne santé, mais nous avons besoin d'aide pour atteindre les archives. Ah, je vois. Retrouvons-nous au village, dans ce cas. Tout le monde vous donnera un coup de main. Vous avez réussi. Oh, merci à tous les deux d'avoir libéré mon frère. Gary, nous avons besoin d'aide pour accéder aux archives. C'est urgent. Pas de problème. Mes frères... On a une urgence dimensionnelle à régler. Pour pénétrer dans les... Plus vite, Ratchet. C'est parti. Oh, c'est... amusant. Yeah! Déjà là. Oh, ils vont tous saccager. Encore un trophée. J'en ai hors de question. Les archives sont alimentées par un générateur à aide. Si nous le démarrons, nous pourrons entrer. Et c'est parti pour un commutateur de générateur à hélice! Aïe. Wesh. Le savoir que renferme les archives est précieux. C'est trop risqué. Ah bah c'est là pour ouvrir, mais faut tuer tout le monde. Allez, meurs. Voilà, merci. Certains documents ici sont irremplaçables. Les schémas, la carte dimensionnelle. Il faut se concentrer. Je suis désolée. Niveau supérieur, let's go! C'est qui, commandant? C'est lui? Ah la vache! Allez! Oui.
Nous ne pourrons pas entrer sans allumer le générateur. Ah ok, c'est par là. Le champ énergétique s'affaiblit. Ça y est, les archives sont enfin ouvertes. Dépêchons-nous d'entrer. Ok. Let's go. Oh, bien. La carte dimensionnelle est en sécurité. Je reconnaîtrai cette écriture entre nous. Les Lombax. C'est une de leurs constructions. Mon père était le gardien du dimensionnateur. De l'original, en tout cas. Il a tout fait pour l'empêcher de tomber entre de mauvaises mains. Désolé, papa. Est-ce qu'il te manque? Les Lombax? Ce serait compliqué, vu que je ne les ai jamais connus. Mais... oui. Ils me manquent tous. Je te comprends. Peut-être qu'un jour, tu les trouveras. D'abord, tâchons de savoir si on peut fabriquer le dimensionnateur. On peut? Oui. Mais pour cela, il nous faudra utiliser la forge de la station Kedaro, l'endroit le mieux gardé de toute la galaxie. Ok, alors mettons-nous en route, KT-7-4. Ratchet, hein? Appelle-moi Kit. Je préfère ce nom. Entendu, Kit. Non ! On doit filer ! Nous devons protéger les archives ! On n'a pas le temps ! Ce fut un plaisir, Ratchet. Wesh. Je l'avais dit, je ne suis pas une bonne partenaire. J'avoue, c'était intense, mais c'était aussi génial. Tu ne comprends pas. Tu n'es pas en sécurité avec moi. J'ai été conçue pour être une arme. Pour garder la galaxie de l'Empereur sous contrôle. Une nuit pendant une patrouille, j'ai surpris un rebelle dans la zone impériale. Alors j'ai essayé de l'arrêter. J'ai été fabriquée dans un but précis. Blessée. Ici, au moins, je ne pourrais faire de mal à personne. C'est pourquoi je ne peux pas t'accompagner. Ah, cette mission, c'est bien terminé, non? Oui. Je suppose, en effet. Et si je me souviens bien, on avait dit que si cette mission ne virait pas à la catastrophe... Tu veux toujours faire équipe? Tu es vraiment très étrange, Ratchet. Je sais, on me le dit souvent. Partenaire? Peut-être. Juste cette fois. Oui. Je vais... Ratchet, merci pour ton aide. Pas de souci. Maintenant, en route pour la station Kedaro. Oh... Les boucliers, donne sa chance au battu répulseur et regarde le parer et renvoyer les tirs. N'hésite pas, trésor, c'est une super affaire.
Ok. Amélioration. C'est une de nos meilleures ventes. Voilà. Bon. Ah, attends. Gary. Ici. Je vais... Partir à l'aventure, je sais. Oh, comme c'est excitant. Je vous souhaite bon voyage et bonne chance à tous les deux sur la station Kedaro. Comment il savait? Je me pose sans arrêt cette question. Bon, allez, go. Fabriquons un dimensionnateur. Ouais, mais avant, on va aller... On va avec Rivel. Rivette. Sur Sargasso, tu disais avoir donné le dimensionnateur à Ratchet pour qu'il puisse trouver les autres Lombax. J'aurais jamais cru en rencontrer un autre. Encore moins retourner chez moi, si on peut dire les choses comme ça. Tu crois vraiment que c'est possible? Non. Non? Non! Wow. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Je n'en suis pas très sûr. Le blison semble avoir absorbé l'énergie des failles dimensionnelles. Wow. Une autre dimension. C'est la tienne, tu crois? Non, mais nous y trouverons du quartz phasique intact. Partons à la recherche des mineurs. En fait, je comprends bien, en fait, dans tout le long de l'aventure, en fait, on va tous se donner point de rendez-vous et puis après ils y vont, quoi. C'est quoi ça? Une secousse sismique, peut-être causée par l'effondrement des frontières entre les dimensions. Donc c'est mauvais signe. Alors. Il faut qu'on passe de l'autre côté de cette fenêtre pour actionner le déverrouillage. Pour un truc dimensionnel? Oui, la situation est de plus en plus instable. Cela explique pourquoi la mine est désertée. On est à combien d'heures de live? Nous sommes à une heure tout pile. Vous savez quoi, les gars? Pour une fois, ça va être un peu plus court parce que vu que tout à l'heure, un peu plus tard, je vais refaire un autre live. Du coup, je pense qu'on va s'arrêter là. Comme ça, je vais pouvoir commander un petit peu un truc à manger parce que là, il est... On dirait pas comme ça, mais il est déjà 11h34. Du coup, je pense qu'on va s'arrêter là. J'espère que ça vous a plu. Et puis comme ça, on découvrira un peu ce monde et puis tout ça. Et puis dans le prochain épisode, pour l'épisode numéro 3 de Ratchet & Clank, on fera peut-être 2-3 mondes. Je pense, on fera peut-être 2 mondes en entier. Là, parce que voilà, j'ai un peu faim, pour être honnête avec vous. Et puis, vu que j'en ferai un deuxième live un peu plus tard, du coup, comme ça, je vais pouvoir mettre ma manette en charge et tout. Que ça sera paré pour tout à l'heure. Du coup, YouTube, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à bombarder de pouces bleus, partager, à vous abonner si c'est pas encore fait. Moi, voilà. Twitch. En attendant que je sois de retour en live, vous aurez une vidéo à 13h sur la chaîne. C'est le premier jour du Donaton 2024, bien sûr. Sinon, vous avez une vidéo sur la chaîne de Onman. Certes, je fais pas beaucoup de pub à mes potos, mais là, cette fois-ci, je peux en faire. J'en fais parce que il a sorti une vidéo aujourd'hui sur sa chaîne. C'est qui écoute ça et je participe à son émission. Du coup,
Voilà, ça fait une petite pub pour lui, parce qu'il le mérite. Et puis sinon, n'hésitez pas aussi à aller voir la chaîne de Sora, de Dancy, de Lux, voilà, de tous les potos que j'ai pu voir enfin en vrai quand j'étais au Donaton. Du coup, allez voir leur chaîne, follow la chaîne si vous voulez, et ça fera très plaisir, et puis au moins ça montrera le soutien. N'hésitez pas à aller voir les potos. Et puis voilà, en plus je crois en bas sur Twitch en tout cas vous pouvez voir tous les sujets, les chaînes suggérées, allez les voir, voilà, comme ça au moins ça donnera de la force aussi pour eux parce qu'ils le méritent. Et puis bah sinon on se retrouve vers 15h 16h pour le prochain live Twitch, vers 15-16h dans les zones là. Après je sais pas trop quel jeu je vais faire, peut-être on fera la suite de Rise, peut-être on fera la suite de Astro, ou peut-être un autre jeu, voilà, je sais pas, je verrai bien. Bref, en tout cas les amis, je vous dis à tout à l'heure. YouTube, je vous dis à la prochaine, et puis des bisous tout le monde, salut.